السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء سنة الخامسة دوزيام جينيراسيون، مرحبا بكم في هذه الحصة التي سأقوم بشرح ليزادجيكتيف كاليفيكاتيف. كنا درسنا في الكور صفحة 27 لادجيكتيف أتريبو. دونك l'adjectif qualificatif en général, il existe deux sortes d'adjectifs, qui est l'adjectif attribut et l'adjectif épithète. Donc, les adjectifs qualificatifs peuvent être premièrement adjectif épithète ou bien adjectif attribut. Donc là, drasna l'adjectif attribut fil hissa al farita. Donc, je vais expliquer l'adjectif épithète. Donc l'adjectif épithète هنايا voici un exemple. هو بالعربي نقولوا الصفة المنسوبة. Donc نلقاو ديما في le groupe nominal soit في le complément d'objet soit في l'akhir. Donc عندنا هنا un exemple, la petite fille chante. هنا الصفة هذه عندما نسأل عليها نقول comment est la fille. Donc, là, elle est petite. Donc, la réponse, la fille est petite. Petite, elle dit, il y a si fait le nom. On a un autre exemple. Il a un joli chapeau. Donc, joli, le chapeau. Chapeau ou l'isme. Un autre exemple. Il a un vélo rouge. Donc il a un vélo rouge. باش نعرفوا الصفه، الصفه دائما تتبع الموصوف في التانيث والتذكيري والجمع والمفرد. Comment est le vélo? Donc le vélo est rouge. اذا لونه احمر. Donc on a les exemples هذوما، une petite fille, un petit garçon. نقولوا دي petite fille et des petits garçons. واش نلاحظوا هنا؟ لاحظوا ان لونه une fille. Donc l'adjectif épithète s'accorde en un singulier, singulier féminin, donc petite. En un garçon, c'est un nom singulier masculin, donc nous petit. En a plusieurs filles, donc c'est un nom féminin au pluriel, petite glebnera au pluriel, donc il s'accorde avec le nom, l'adjectif. Toujours, l'adjectif en général s'accorde en genre et en nombre. On a 10 garçons. Les garçons, c'est un nom masculin au pluriel. Donc, petit, dernière, des petits garçons. Donc, au pluriel. Donc, on remarque maintenant que l'adjectif épithète, il s'accorde en genre avec le nom. Kadrikoun dans le groupe nominal. Maintenant la petite fille par exemple écoute le groupe nominal chante hawanana le verbe chante ou le verbe le groupe nominal l'adjectif épithète voilà donc il a un joli chapeau le groupe nominal le verbe auxiliaire avoir un joli chapeau donc j'ai fait le complément d'objet là non c'est un groupe nominal donc c'est le complément d'objet ou bien le complément du verbe donc joli et ben le nom soit cool fait le groupe nominal sujet ou bien fait le complément du verbe il s'accorde en genre et en nombre principal l'adjectif épithète donc l'adjectif attribut qui est marqué dans la dernière fois qu'on a les verbes d'état. Le homme, l'auxiliaire être, paraître, sembler, avoir, l'air, demeurer, devenir et rester. Donc, on a les verbes, on un nom, juste le nom, les gymnoraham, on a l'adjectif attribut. Donc, on a un exemple, il paraît grand. Donc, le paraît, non, c'est le verbe paraître. Voilà, c'est un verbe d'état. Donc, au présent, non. Donc, juste, mon aura grand, grand, c'est un adjectif.
هذا سيت ان ادجكتيف صفه نسميوها صفه لكن هذه الصفه هنا نسميوها ادجكتيف اتريبي بوكو باسكو جيت جوست ابري لو فيرب ديتا باري دونك هنا كاش كنرمارك اون رمارك كو لادجكتيف اتريبي اي لي سيباري دو نون بار ان فيرب ديتا. Voilà un autre exemple. Elle est méchante. Non, voici l'auxiliaire être au présent. Donc, comment elle est? Elle est méchante. Au masculin, goulou, il est méchant. Goulou, il est méchant, sans e. Ou elle est méchante. Pourquoi a-t-elle un e? Parce qu'en nana, troisième personne du singulier, elle, au féminin. Quand on dit il, on dit il est méchant. Donc, là, il paraît grand, elle paraît grande. On remarque que l'adjectif a un attribut, il est juste après le verbe d'état, où il est séparé par le nom, ou bien par le sujet état, par un verbe d'état. À chaque fois, il est comme ça. Donc, on a un autre exemple, ils ont l'air tristes. Voilà au pluriel. Ils ont l'air triste. Donc, il, troisième personne du pluriel, triste, c'est nalhal es. Par exemple, on a city au pluriel, goulou elle au pluriel, goulou elle sont méchantes, on zit ou es. Donc, on remarque que l'adjectif attribut, il est séparé du nom par un verbe d'état. Donc, l'adjectif épithète. Les micro-nandou, les verbes d'état. Les humains, l'auxiliaire être, paraître, sembler, demeurer, devenir et rester. Les humains, quand ils sont conjugués, les gommes conjugués, soit au présent, au futur, ou l'imparfait, au passé composé, les gommes, chalatarika, et y rester. Les gommes, qui maintenant, par exemple, il est ou la elle est méchante. Non? Il paraît présent, donc c'est un verbe. Le verbe d'état sera conjugué. Voilà ce que je vais retenir dans les adjectifs qualificatifs. L'adjectif qualificatif. Je retiens. L'adjectif qualificatif peut être épithète ou attribut. Premièrement, l'adjectif épithète se trouve à côté du nom et peut être placé avant ou après le nom. Yani j'ai qabel ou là-bas le nom. Exemple, une belle fille. Donc, belle avant le nom. Une belle fille porte une fleur. Une journée chaude. Chaude, j'ai après le nom. Mon ami a un vélo rouge. Donc, rouge, j'ai après le nom. Il peut être dans le groupe nominal, comme il peut être dans le groupe verbal. L'adjectif attribut est séparé. Donc, deuxièmement, l'adjectif attribut est séparé du nom par un verbe d'état. Donc, les verbes d'état sont l'auxiliaire être, paraître, sembler, avoir l'air, demeurer, devenir et rester. Exemple. Le sorcier est méchant. On a l'auxiliaire être au présent. Donc, méchant, c'est l'adjectif attribut. Le nom, c'est le sorcier. Donc, il est séparé du nom par un verbe d'état. La sorcière est méchante. Donc, la sorcière féminin, méchante féminin ou féminin. Les sorciers semblent tristes. Nana, le verbe d'état semble au présent ENT parce que les sorciers, c'est un nom au pluriel masculin, triste au pluriel. Triste, c'est l'adjectif attribut. Il est séparé par le verbe d'état. Et enfin, les filles paraissent heureuses. Donc, les filles, c'est un nom féminin au pluriel. Le verbe paraître au présent. Donc, les filles, on peut la remplacer par elle au pluriel. Donc, paraissent au présent, se termine par ENT, le verbe paraître. Et heureuse, c'est l'adjectif attribut qui est placé
juste après le verbe. Donc, il est séparé par le nom, par un verbe d'état. L'adjectif attribut, donc, s'accorde en genre et en nombre. On a plusieurs filles, féminin, féminin. D'accord? Donc, la règle, l'adjectif qualificatif, soit épithète ou bien attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il se rapporte, pardon. Donc, en genre et en nombre, c'est-à-dire l'ité-nité, ou t'adkir, l'mofrad, ou l'jama. Donc, à sifa t'etbal monsouf, fit-ité-nité, ou t'adkiri, l'mofrad, ou l'jama. Ok? هكذا نكون قد أنهينا درس اليوم للأدجكتيف كاليفيكاتيف. جيسبر هاي المعلومة وصلت لكم. راكم فهمتوا. إلى الملتقى وإلى درس جديد. أقول لكم سلام.